Au Canada, maintenant, 60 % des prêts hypothécaires devraient être renouvelés au cours des 3 prochaines années. Et dans bien des cas, vous l'aurez deviné, le renouvellement devrait se faire à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que celui qui a été d'abord négocié, ce qui va faire bondir, évidemment, les paiements hypothécaires mensuels. Simon Brière est avec nous, stratège de marché RJ O'Brien. Bon après-midi à vous. Bon après-midi. Alors, de combien de pourcentage pourrait être l'augmentation des paiements mensuels à ce moment-là? Bien, si on compare la situation avec celle qu'on a connue d'il y a quelques années, la différence, et c'est pas anecdotique, hein, les taux d'intérêt qui étaient avoisinant peut-être le 2 % sur les paiements hypothécaires, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le 7 %. Donc, pour vous donner une idée, là, celui qui a renouvelé son hypothèque il y a 3 ans, qui est dû cette année, va voir son paiement possiblement presque doublé. Doublé s'il veut évidemment réduire son capital. Effectivement. Donc, on voit que l'augmentation des taux d'intérêt va affecter plusieurs choses. Le premier, c'est le paiement. Hein. Si on garde la situation identique, on ne touche pas au capital, on fait juste renouveler l'hypothèque, on va quasiment doubler. Maintenant, on va voir que la répartition entre les intérêts et le capital est très différente aujourd'hui. Je donne un exemple pour essayer de le quantifier. Un paiement hypothécaire qui était de 1 700 $ par mois serait renouvelé dans les conditions d'aujourd'hui à presque 3 000. Donc, c'est quand je dis qu'on va presque doubler. Et la répartition entre les intérêts et le capital est très différente. Aujourd'hui, avec le renouvellement, les intérêts vont avoir doublé, même triplé, tandis que le remboursement en capital, il est 2 fois moins. Donc, l'hypothèque que je vous parlais de 1 700 $ on avait peut-être 1 000 de capital et 700 d'intérêts. Et avec les nouvelles conditions, ça serait 2 500 d'intérêts et 500 de capital. Donc, c'est 2 fois moins de capital qu'on rembourse. Donc, pour les gens qui nous regardent actuellement, quand on va regarder nos relevés de compte hypothécaire à tous les mois, on va se rendre compte qu'on paie beaucoup plus, mais que notre solde hypothécaire ne bouge essentiellement pas. Et que la plupart, en fait, la majorité de notre prêt, de notre paiement mensuel, s'en va directement dans le poil, comme on dit. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas capables de payer leur paiement mensuel, croyez-vous? C'est le nerf de la guerre et ces renouvellements hypothécaires vont être très asymétriques. Quand je dis asymétrique, ça veut dire qu'on ne le ressentira pas de la même manière. Les gens les plus touchés vont être évidemment la classe moyenne et surtout les jeunes adultes, les jeunes familles, par exemple. Donc, tous ceux qui ont des hypothèques qui ne sont pas presque payées. Quand je regarde celle de nos parents et qui reste peut-être 5-6 ans à faire sur l'hypothèque, l'impact sera quasiment pas ressenti. Mais pour les jeunes familles qui ont acheté une maison dans les 5 ou même 10 dernières années, là, ça va commencer à se corser beaucoup plus. Donc, on ne ressentira pas l'impact de la hausse sur le renouvellement de la même manière, un peu selon notre âge ou selon le temps qu'on a fait dans notre hypothèque. Pendant la pandémie, on l'a vu aussi, Simon, un peu après la pandémie, il y a eu cette surenchère. Hein? Bien des gens qui payaient peut-être un peu trop cher la propriété qu'ils achetaient parce qu'ils étaient vains à vouloir miser dessus. Il n'y a pas un risque aussi pour les institutions financières d'avoir prêté à des taux d'intérêt très bas des hypothèques, des montants pour payer une propriété qui ne vaut peut-être pas ça aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a un risque à ce niveau-là. Un ménage qui aurait payé une maison trop cher aujourd'hui, ben, va avoir un stress financier considérable. Ça, c'est garanti. En fait, ce qui va arriver, à mon avis, ce qui est plausible, c'est qu'on le voit déjà aujourd'hui dans l'économie, il y a des revendications salariales, qu'elle soit au niveau de la grève ou autre, pour avoir plus de salaire qui va permettre de payer l'hypothèque. Parce que quand on regarde l'inflation de manière générale, oui, l'épicerie coûte de plus en plus cher, mais on est capable, avec un peu de gymnastique, de changer certains produits ici et là. Et c'est vraiment deux poids, deux mesures. Si l'épicerie coûte 50 $ de plus par mois ou 100 $, peu importe, là, mais l'hypothèque, on parle de milliers de dollars de plus par mois. Donc, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Le paiement hypothécaire, il est considérable en termes de valeur. Et il n'y a pas vraiment d'alternative. Hein? Ouais. On peut essayer de changer de supermarché, mais changer d'institution financière, c'est compliqué. Et
les taux d'une institution à l'autre sont essentiellement les mêmes. Simon Brière, qui est avec nous, stratège de marché ARG O'Brien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.